Tant que l'argent n'est pas sur ton compte, tu ne le dépenses pas. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Hein? Abonne-toi mon gars. C'est incroyable ça. J'ai obligé d'insister là. On dirait que j'ai obligé de demander un abonnement. Oh incroyable, je t'ai pas dit de mettre ta carte bleue là. Donc un abonnement. Clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et ici, c'est Jonathan Chi, l'idée de cette chaîne, de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être déterminé à créer ton business en ligne pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Voilà. Hein. Moi, je voyage, ça fait 2 ans. Ne m'en déplaise. Ça se passe très bien. J'ai envie de te dire, j'ai la même valise. Hein. Des fois, il faut que je change de vêtements. Là. J'ai qu'une seule chemise. Voilà, j'en ai pas plus. Hein, donc, c'est pas peine de me dire ah oui, on aime bien quand tu as des chemises. C'est bien que tu sais très bien que tu mettes des chemises. Non, j'ai qu'une seule chemise. Après, je pourrais en acheter, c'est vrai. Mais à chaque fois, quand je commence à mettre des vêtements, quand je change de pays, la valise, elle est trop lourde, tout ça. Pff, c'est relou. Donc, n'oublie pas qu'en tout cas, tu peux faire exactement la même chose que moi. Hein. Ça, les gars, il n'y a pas de secret maintenant. Je pense qu'en 2021, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on peut gagner de l'argent avec un business en ligne. J'espère que tu n'en es pas à ce niveau-là. Ok. En tout cas, si tu doutes encore, tu as les formations offertes pour pouvoir voir un petit peu concrètement A plus B plus C, comment on fait. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Non, c'est pas tout pour cette vidéo. Il va se calmer. Je sens que je suis un petit peu excité là. Calme-toi mon gars, calme-toi. Je te sens un peu, hein. N'oublie pas que j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Au Pyramide, j'ai grandi. Hein, on a tous eu des enfances malheureuses, les gars. Arrêtez de chialer maintenant. Hein, ça fait, c'est bon là. Ok. Tu veux quoi? Tu veux qu'on chiale pour toi? Oh là là, le pauvre! Bon, alors, tout ça pour te dire que et j'ai réussi à le faire. J'ai créé un business en ligne, je voyage, je fais là. Juste parce que je me suis focus, j'ai décidé d'être 100% responsable de ma vie. Hein, pas demander au gouvernement comment on fait, les gars. Allez, les gars, pour me donner un peu d'argent, s'il vous plaît, pour acheter des pépitos? Non, je me suis débrouillé. On n'achète pas de pépitos, mon gars. Pas de pépitos. Pomme, banane. Oh, elle est flinguée, la banane, là. Healthy, mon gars. Santé. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Comment faire fructifier son argent lorsqu'on est jeune? Je vais te donner exactement les 3 erreurs que tu dois absolument éviter de faire quand tu es jeune. Et j'ai envie de te dire même quand tu es moins jeune. Hein. C'est la base, les gars. Donc, parce que le problème avec la plupart des personnes, en fait, ils pensent que s'ils font plus d'argent, eh ben, du coup, ils auront plus d'argent. Eh ben non, pas du tout. Il y a des gens, pour te donner des exemples, moi je connais des infirmiers, que ce soit même des infirmiers, toutes les professions libérales, là, les docteurs, etc., les avocats, ils gagnent bien leur vie, hein, peut-être des 10K à peu près par mois, je ne sais pas, ça dépend de leur train de vie. Et pourtant, tous les mois, ils sont à zéro. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre savoir comment générer du cash et savoir le gérer et le faire fructifier, le faire le multiplier. Et c'est pareil pour des entrepreneurs. Il y a énormément d'entrepreneurs qui savent comment faire de l'argent, mais ils dépensent tout. Donc, comme ils dépensent tout, tous les mois, ils reviennent à zéro. Et ils refont de l'argent et ils redépensent, et ils refont de l'argent et ils redépensent, etc. Ok, donc il y a une différence entre savoir gagner de l'argent et savoir le multiplier, savoir le faire fructifier. Et ça, c'est super important, c'est là-bas. J'ai envie de te dire, tu peux être plus riche en gagnant 2 000 euros par mois qu'un gars qui gagne 10 000 euros par mois. Tout ça pourquoi? Parce qu'avec 2 000 euros par mois, ben, si tu es intelligent, si imagine, tu mets 300 euros, 400 euros par mois, ou même 500 euros par mois, tu mets 500 euros par mois, tu crées un business ou tu le réinvestis, je sais pas, dans l'immobilier, dans quelque chose, ben, tu multiplies cet argent en fait. Donc déjà, l'investissement le plus puissant, c'est créer un business, hein, clairement, parce que moi, j'ai multiplié 2 000 euros en achetant ma première formation en, je sais pas, j'ai fait x 1000%, là. Ça ne s'arrête jamais, ça tombe encore, là. Hein. Hein, comme il dit Nino, on me demande combien j'ai, mais je ne sais pas encore, c'est encore en train de rentrer. Voilà, dédicace, les gars. Et donc, du coup, on va voir donc, les 3 erreurs que tu ne dois pas faire lorsque tu es jeune. Première erreur à ne pas faire, c'est de mettre de côté. Tu te dis, mais comment ça, mettre de côté, comment ça, non, comment ça, c'est pas bon. Si tu veux faire fructifier, je parle de fructifier de l'argent, ok, c'est faire fructifier, c'est faire multiplier, ok. Si tu le mets de côté comme ça, l'argent, en fait, il est fait pour circuler. On a une fausse croyance depuis tout petit. Oui, il faut mettre l'argent de côté, tanana, au cas où. Voilà. Donc, tu peux avoir une partie que tu mets de côté sur au cas où, tu vois. Mais d'une manière générale, l'argent, en fait, il est fait pour circuler. Si ton argent ne circule pas, eh bien, en fait, il ne va pas se fructifier. L'argent, ce n'est pas ton argent. Les gens, ils essaient de garder l'argent comme ça. Comme si, genre, ah, c'est à moi tout ça et je vais essayer de garder tout l'argent du monde. Non, l'argent, il circule. Les riches font circuler l'argent.
Ça veut dire que l'argent n'est jamais sur le compte, il est en immobilier, il est dans des actifs en fait qui rapportent des revenus passifs. Donc ça va dans l'immobilier, ça va dans la bourse, ça va dans quelque chose, ça investit en soi et ça multiplie cet argent-là grâce à un business, par exemple en ligne. Ah les gars, hein, je vous parle de ce que je connais. Donc en tout cas, l'argent, il circule, il reste pas à côté, il va dans des actifs. Il faut faire circuler l'argent pour pouvoir le multiplier et le faire fructifier. Ok, donc je donne des exemples, c'est bourse, ça peut être les cryptos, ça peut être ça, en toi aussi. En toi, c'est le premier truc à investir, les gars. Commencez pas à investir dans le Bitcoin si vous savez même pas, vous avez même pas quoi investir en vous. Ça sert à rien, ça n'a aucun sens en fait. Ok, faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, tu investis en toi avec ce que tu as appris, puisque tu deviens une nouvelle personne, tu as de nouveaux résultats dans ta vie, donc tu as créé un business, tu as de l'argent. Avec cet argent-là, boum, tu l'investis n'importe où, que ce soit en immobilier, les crypto-monnaies, tout ce que tu veux. Ok, donc ça, c'est le premier conseil, fais circuler l'argent. Donc la première erreur, c'était de mettre de côté, et donc maintenant, il faut faire circuler l'argent. Voilà. J'avais oublié que je faisais l'opposition là. Voilà. Ok, deuxième erreur à ne pas faire, dépenser de l'argent que tu n'as pas encore. Ça, c'est des erreurs. Je vais recevoir cet argent-là, donc du coup, je dépense déjà. Donc déjà, l'erreur, c'est de dépenser, hein, de manière générale. Mais tu dépenses de l'argent que tu n'as pas encore. Donc ça, c'est le pire, ça. Parce que des fois, l'argent, il n'arrive même pas. Et ça, c'est arrivé. Je connais quelqu'un qui s'est endetté de malade auprès de gens parce qu'il pensait qu'il allait recevoir de l'argent. Il n'a jamais reçu l'argent. Il avait déjà demandé de l'argent à d'autres personnes. Et du coup, il a acheté d'autres trucs, en plus des dépenses, donc c'est toujours des trucs inutiles, hein. C'est pas des actifs, hein. Tu imagines bien, ça serait trop simple. Et du coup, le gars, ben, il a disparu maintenant, parce qu'il est recherché par tout le monde veut le défoncer. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu dépenser de l'argent qu'il n'avait pas encore, qu'il pensait normalement avoir. Tant que l'argent n'est pas sur le compte, tu ne le dépenses pas. Et c'est pareil pour si jamais tu as un client. C'est pas parce que genre le paiement, tu as vendu, je sais pas, un produit à 1000 euros et qu'il y a un paiement en plusieurs fois et que tu te dis bon ben voilà, c'est bon, comme si c'était sûr qu'il allait payer toutes les mensualités, ben non, tu dépenses pas l'argent comme si par exemple c'est comme si tu avais déjà 1000 euros et boum, tu réinvestis dans le marketing 1000 euros, comme si parce que tu dis de toute façon ça arrive. Non, tant que l'argent n'est pas sur ton compte, tu le dépenses pas. Troisième erreur à ne pas faire si jamais tu veux faire, faut que tu fais ton argent, eh ben, c'est de dépenser ton argent dès les premiers bénéfices. Et là, c'est le truc que je vois le plus souvent. Ça veut dire que dès que les gens ils font de l'argent, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs, ils prennent des tables, tout ça, champagne, tout ça, ça éclate tout le monde. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Enfin, c'est une des erreurs à ne pas faire. Tes premiers euros, tes premiers bénéfices, réinvestis-les dans ton business pour pouvoir faire croître ton business afin qu'il te rapporte encore plus d'argent. Okay, ça veut dire quoi réinvestir dans ton business? Ça veut dire dans le marketing, fais connaître ton produit, il faut que tout le monde connaisse ton produit. Ton produit, il est bon, eh bien, il faut que toute la planète le connaisse. Donc, je peux te dire qu'il y a de la marge. Et pour ça, eh bien, il va falloir t'entourer donc marketing. Payant, hein, voilà. Si tu veux un exemple concret, bah, pub Facebook, pub YouTube, hein, là où l'attention des gens est, hein, sur les réseaux, donc d'une manière générale, hein, tu vas pas commencer à mettre des pancartes dans la rue, les gars, c'était en 1999, ça. Ok, et donc du coup, avoir aussi une équipe, t'entourer, prendre des gens, parce que tout seul, de toute façon, tu vas pas aller bien loin, enfin, en fonction de tes objectifs, ça dépend aussi. Et quatrième erreur bonus, hein, à ne pas faire, c'est écouter les gens qui n'ont pas d'argent. Les conseils des gens qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire les banquiers, tout le monde, ta famille, ton oncle, tout ça. Tous les gens qui n'ont jamais fait fructifier de leur vie de l'argent, arrête de les écouter. Arrêtons les gars, c'est incroyable ça. Alors tout le monde prend des conseils de gens qui n'ont pas d'expérience, pas de résultats ou d'expertise dans le domaine où on pose la question. Je prends toujours l'exemple de... Les gens vont demander des conseils de couple à des célibataires. Hein, surtout les filles, là, elles aiment bien demander à leur copine célibataire depuis 40 ans, qu'est-ce que tu penses tout ça, Nani? Incroyable ça, les gars! À un moment donné, il faut juste qu'on soit logique. Mais par contre, voir un coach ou payer une formation, tout ça, ah non, là, c'est de l'arnaque, là. Ah non, il y a un problème, là, les gars. Non. Par contre, demander des gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais fait d'argent, qui n'ont jamais fait un business en ligne, là on est bon, là d'accord. Donc là c'est pareil, si tu veux faire fructifier ton argent, arrête d'écouter des gens, même s'ils sont dans une institution, genre les conseillers bancaires et tout. Conseiller bancaire, rien du tout. Il va te vendre des trucs qui ne servent à rien du tout. Tout ce qu'il veut, c'est que tu gardes l'argent chez lui et je pense que tu es assez intelligent, si tu te formes évidemment, pour pouvoir faire fructifier ton argent beaucoup mieux qu'un livret A. Fais-moi confiance, tu ne peux pas descendre plus bas. Tiens, là.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas, ok? Parce que tu trouves que voilà, bah écoute, j'aime pas trop ton style en fait. Tu m'énerves, tu parles trop, j'aime pas en fait. J'aime pas ta voix. Voilà, donc tu peux mettre un j'aime pas. Sinon, les gars, si jamais vous voulez vous lancer, vous avez accès aux formations offertes juste en dessous, ok? Influenceur 2.0, les gars, c'est la vérité. C'est là où il y a l'attention des gens. L'argent suit l'attention. N'oublie jamais ça. L'argent suit l'attention, ok? Je te montre exactement comment gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. Est-ce que je t'ai dit que tu allais devenir millionnaire? Non, je t'ai jamais dit ça, ok? Est-ce que tu peux le devenir? Oui, voilà. À un moment donné. Il faut que tu sois responsable hein, de toi-même, mon gars. Plus tu vas charbonner, plus tu auras des résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à t'abonner. Hein, ça, je te l'ai déjà dit. Donc c'est bon. Hein, je pense qu'on peut conclure la vidéo. On lâche rien, les gars, et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, mon gars. À un moment donné, il faut choisir. Hein, faut faire étape par étape. Les gars ne veulent pas suivre. Ils veulent juste dépenser de l'argent constamment. Multiplier l'argent, c'est un jeu.